Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 22e épisode de mon Let's Play sur le jeu Sport Saison 3. Alors, je vous avais essayé la dernière fois, on venait de faire une aventure, mais surtout j'avais dit que j'allais compter les planètes, savoir combien j'en ai en T1. Je viens de les compter à l'instant et je viens d'oublier. On va recompter rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 12. Je crois que j'avais compté 12. Donc on est à 12, il en faut 50. Ce qui veut dire qu'il va falloir il va falloir farmer, quoi, tout simplement. Allez, je crois que j'ai quelques colonies de dispo. J'en ai 8. Allez, on va monter à 20. On va monter à 20, on va... Quoi. Catastrophe écologique, ok, j'arrive 2 secondes. Je m'occupe de cette petite planète. Où est-ce que je peux le balancer? Ah là, ça y est, balancé. Toc. Empereur 3. Ce qui me donne rien du tout. Oui, c'est génial. Alors, la vie qui est en proie à une catastrophe écologique. J'arrive. Donc, ça fait 13 déjà. Ça fait 13. Oh, c'est de l'épizerte que j'ai oublié de prendre, tiens. Alors, on va laseriser les Pikachu, je sens bien. Ah non, c'est les Vélopsiraptors. Alors. Alors. Raté. C'était pas lui. Ça y est. Bon, ça moi c'est fait. Oh yes. Yes. Ça c'est fait. On va pouvoir acheter des colonies. Voilà. Ça au moins c'est bon. Ça c'est bon. Donc on est à 13. Il faudrait... Donc j'ai dit qu'il faudrait qu'on monte un petit peu. Bon, c'est d'épices rouges, mais c'est pas très grave parce qu'au pire on a nos... nos super planètes à production massive. Toc, celle-là, c'est bon. Donc j'en ai acheté 2 de plus. Ça veut dire qu'on peut en faire jusqu'à 22. On va essayer d'en faire jusqu'à 22. En plus, ça va nous permettre de découvrir des systèmes. Oh, c'est... Mais qu'est-ce qu'ils sont moches ? Ils sont vraiment moches. Ah ah, créature et en plus un truc un peu spécial. En espérant que ça soit pas un traquenard. C'était pas un traquenard. Je suis allé trop loin. Allez, on va faire monter le défi de... des planètes. Parce que si je fais pas ça de temps en temps, on va pas y arriver. On va pas faire ça tout l'épisode, hein, bien sûr. Zut, j'ai oublié de faire ça sur la planète Meran. Meran, non. Meran, j'ai dit. Si on fait pas ça de temps en temps, on va pas arriver à monter. Donc, 14. Là, ça va être la 15e. Voilà. Ensuite, next. On va monter à 20, ça ira bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Je trouve pas tout type de terraformation, quoi. Après, je trouve des items. Mais c'est pas forcément ce que je préférerais trouver, quoi. Non, là, y a rien. Je suis allé voir. Là aussi, y a rien. Je suis allé voir. Là, il y a des pistes violettes, mais c'est du T0 et c'est casse-pied. Créature. Alors, pour pouvoir poser la 16e. Toc, la 16e, c'est posé. Monter à 20. On va essayer d'en faire une petite dizaine par épisode, ça sera bien. Genre, vous sortez d'où, vous? Y'a pas de système dans le coin, y'a...
Y a des méchants pavots? Ah oui, il y a un méchant pavot là-bas. On va aller voir le méchant pavot. Voilà. Numéro 17. En plus, ça fait des points de chute un petit peu partout. Commencer à avoir un gros empire. Assez tentaculaire. Bon, alors, les hivers là. Je pense qu'on va pouvoir récupérer, ça va être notre numéro 18. Ils ont quelle gueule? Justice Dragon. Allez, on est à moins 502, on va continuer le truc. Voilà. En plus, c'est de l'épice verte, c'est cool. Ça change de cette éternelle épice rouge. Toc. Non, non, j'ai dit pas trop. Non, pas sortir de la planète. Ça, c'est le problème d'être passé en molette décrantée. C'est que la sensibilité est quand même vachement différente. Je voulais pas d'être peur, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est efficace. Il faut être comme ça sur toutes les villes, on se calme bien. Et on est efficace, on détruit la ville direct. Enfin, on détruit pas la ville, pardon. C'était un peu moins efficace. Je sais pas trop comment ça gère. Est-ce qu'il faut que le missile tombe vraiment dessus? Je le crois. Sinon ça fait des trucs comme ça par exemple. Tout comme ça où là ça monte pas du tout. Et genre voilà. Évidemment. Faut qu'on aille voir ailleurs. Il y a trop de bzbzit en même temps là. Mais genre voilà. On a l'impression qu'ils sont devenus super résistants d'un coup. Alors attendez, hop, c'est celui là-bas. Oups. Ah, je voulais pas détruire la ville, voilà. Toc, la 18ème est là, et évidemment, il reste quasiment plus rien sur la planète, parce que j'ai tout détruit comme un bourrin. Alors, là, ça manque un petit peu de complexe de loisirs. Et d'usine aussi. Plus 105 à l'heure, mais c'est monstrueux quoi. Bon, faudrait que je répare aussi. Oups! Si vous voulez pas faire ça. Tra l'abruti. Encore que je sais m'en sortir. En plus, j'ai fait dans l'épisode précédent la connerie, quoi. Ah, pff. Donc, 18. 18, c'est pas mal, 18. En plus, là, ça fait monter le badge colon. Si on pouvait avoir l'outil de... l'explose planète. Ah, l'explose planète. En plus, j'ai 8 millions. Je vais légèrement descendre en dessous de mes 8 millions, par contre, je pense. On dirait qu'elle est différente cette ville. Non, en fait elle est pas différente du tout. Alors. Toc, on va vendre ça. Bon bah. Ça c'est bon, ravitailler et réparer. Voilà, donc là on est 19. Oh, tiens, il y a quelqu'un là. 19, ouais, des ovnis hostiles, on va voir, juste voir ce que c'est. Non, on est à 18, c'était la 18ème planète. Oh, c'est du pirate, je me casse. Y'a rien sur cette planète, les pirates ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Y'a absolument rien. Donc, je peux me casser. Et oh. Je vais juste voir où en est mon badge colon. Badge colon. Ah, il m'en reste pas tant que ça, hein. Je suis à 163.
Et il y a une planète à coloniser, ça va être la 20e. Bon, ok, d'accord. Les pirates que j'avais évités sont là. Donc on va poser une colonie, la colonie numéro 19. Voilà. Il faut attendre qu'elle tombe au sol pour pouvoir se tirer. 19e colonie, ça c'est fait. En fait, c'est pas très compliqué, hein, une fois qu'on a pris le coup. Et pourtant, le jeu est en difficile. Hein. Je me souviens de l'avoir mis en difficile. Au tout début de la partie, dans le premier épisode, je me souviens de l'avoir mis en difficile. Je crois. Hein. Après, mes souvenirs sont peut-être erronés, mais je crois que comme j'ai pas mal galéré en créature, je crois bien avoir été en difficile tout du long. Et encore quelque chose. Donc en fait, le jeu est pas si difficile que ça, une fois qu'on a passé la phase créature et la phase tribu, ils sont quand même des phases un peu galères. Et la phase civilisation qui était un poil plus difficile. Mais la phase espace, ça change globalement rien. Ouais, il y a les ovnis aussi un peu partout, mais bon. Les pirates à la limite, je m'en fiche un peu. Moi, ce que je veux, c'est poser ma 20e colonie. On va essayer d'en faire 10 par épisode jusque. Partir de maintenant, comme ça au moins on sera bon. C'est-à-dire qu'en 3 épisodes, on aura tout fait. Embuscades. Ouais, bon. Voilà, embuscade réglée. On va essayer d'en faire 10 par épisode, comme ça dans 3 épisodes on l'a fini. Sauf que là, jusque là, on trouve pas énormément de choses. En plus, ça me fait monter mon badge voyageur. Aha! Allez, on pourra poser sur celle-là, et ça sera la 20e. Donc la 20e c'est fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je vais aller récupérer de l'épice parce que c'est toujours bien d'avoir un peu d'épices à vendre. Mon super système à épices. On va prendre l'épice jaune aussi, c'est pas. Ce serait pas idiot. On va récupérer de l'épice violette. Bon, l'épice bleue, j'ai plus de place. Ce qui est fort dommage d'ailleurs. Si genre je pouvais la vendre super cher. Ok, on va la vendre ça déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça me fait penser qu'il faudrait que j'achète le méga laser, le missile proton. Ouais, qu'est-ce qu'il faudrait que je débloque? Bah bien sûr les moteurs, parce que là ça craint. Et le ruine planète, le moteur c'est voyageur régulier ou coursier. Ah. Coursier. Coursier, il faut faire des missions, mais j'ai un peu la flemme de faire des missions, c'est toujours les mêmes. Donc là, à la limite, ce qu'il faudrait c'est genre... Tiens, l'épice rose aussi. J'avais pas pensé. Oh bon, l'épice rose c'est bon. Ce qu'il faudrait, c'est éradiquer quelques... Ouais, bon, vous énervez pas. Quelques alliés. On va éradiquer quelques alliés, ça peut être une bonne idée. En plus, ça fait monter conquérant. Oh, une T2. Une T2 à capturer, ça peut être très très bien. Allez, on se pose bien. C'est vrai que là, ça... Ouf. En espérant que je défonce la planète. Conquérir le système. 21e. Je suppose que ça les a un peu vénères. Ce que je comprends. J'aime bien, je leur dis bravo. Vous êtes une super colonie qu'on a capturée totalement pacifiquement. 19. Bon. On va faire cela. Une T1. 19, qu'est-ce que je dis? 21.
Ah, il rentre. C'est la 21e, donc là, ça va être la 22e si je la capture et si je la détruis pas, quoi. Elle est pas bonne? Ah, il manque un carnivore. Faut chier, les mecs. Bon, bah voilà. Détruit. C'est bon. Au moins, ça pose pas de questions. Alors. Celle-là, c'est quoi? Bon, c'est une T0, on va pouvoir la détruire. En fait, je fais suffisamment de dégâts si je touche directement la mairie pour détruire la ville d'un coup. C'est ça le truc. Par contre, si j'en fais pas assez, ça le détruit pas. Donc en fait, faut que je touche un poil à côté pour éviter de détruire mais capturer la ville. C'est une T0 ça. Ouais, c'est une T0. Si je la prends de plein fouet, bah ça la détruit. Bon, alors là, il reste la capitale. Donc c'est elle qui va être notre 22e. Oh, ça me démange tellement de faire un explose planète, mais en même temps, il me faut le... Oula, ils sont quand même beaucoup. Je pense qu'il me faudra plusieurs essais. Voilà. Un. Et genre, est-ce que le méga laser, ça passerait pour une capture rapide? Absolument pas. C'est même plus lent que ça, tu meurs. La bombe, y'a que ça, t'aurais. Toujours pacifiquement, une bombe, ça détruit tout le monde et puis c'est fini. Voilà. Donc j'ai capturé 3 villes. Bon, je suis obligé de me casser parce que je me suis bien fait tataner. Ok, ça c'est bon, on va pouvoir finir celle-là aussi. YOLO, bon, il reste 600 PV, on va se casser, on va ravitailler. Et on revient pour capturer la 22e planète. Poser des bâtiments, augmenter notre badge colon. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Tout ça, c'est très bien. Faut qu'on s'attaque au défi. Toc, celle-là. Voilà, c'est bon, il reste... Oups. Ah mais je crois que j'avais déjà validé celle-là. Si c'est le cas, je m'en excuse. Tac. Et la dernière. Et on conquérit. Ça y est, empereur 4 en plus. Et c'est la 22e. Volcan, aspire nuage chaud, comète de glace. Ouais, c'est que de la terrafo. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, c'est cool. Tiens, ils ont légèrement bidouillé leur truc parce que c'est pas tout à fait la même chose là. Hein. C'est pas ça que je voulais mettre, c'était ça. Voilà. Donc là c'est bon, heureux, là pas content. Je vais régler tous les problèmes de pas content. Quoi quoi quoi. Ils sont jamais contents. Des gens qui m'appellent. On va répondre. Ça fait 20 minutes en plus. Faut juste que je règle toutes les
tous les problèmes de cette planète, que je pose des bâtiments. Et voilà. Je pense qu'on est plutôt bien. Il n'y a plus de pas content. Il n'y a plus de pas content. Allez. On se carapate. Je suis à combien de bâtiments? Non, c'est pas la Sportpedia que je cherche. Il me reste 172. Il me reste 28 bâtiments à poser. Alors je suppose que vous n'êtes pas content de l'alliance, un truc comme ça. Ah si, vous voulez conclure une alliance, c'est le contraire. Et hop, je passe diplomate 3. Ne pas chercher à comprendre, hein. Absolument pas chercher à comprendre. Bon, je vais rentrer chez moi ravitailler. Allez, va ravitailler. Toc, est-ce que tu achètes des trucs à bon prix? Absolument pas. Bon. Faudrait que j'achète tout ce foutoir de terraformation, ça sera fait. Voilà, plein d'outils de terrafo. Comme ça, au moins, c'est fait. En fait, j'achète tous les items qui se font... qui sont canalisés, comme ça. J'ai pas les racheter, c'est que... Là, tout ce qui reste, c'est des items de... C'est des items à utilisation. Après, tout le reste, c'est des items canalisés sur énergie. Tout ce que j'ai acheté, là. Et on est bon, on est très très bon. On va arrêter là l'épisode pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va faire à peu près la même chose. On va essayer d'en reprendre. Là, on est à 22. Je vais essayer d'atteindre les 30. Et après, on ira se balader un peu, chercher des... chercher d'autres empires, voir si on peut pas choper des aventures, ce genre de trucs. Il y a un Pikachu qui passe dans mon écran. C'est très très perturbant. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes toujours pas abonné. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, portez-vous bien et salut à tous !